gilet jaune, un gilet jaune, gilet jaune, un gilet jaune, gilet jaune, sortez, gilet jaune, gilet jaune, un gilet jaune. Thank you.
que vous allez gagner. Attendez voir ce que vous allez gagner. C'est le bordel ici, hein. Allô, tu m'entends? T'as entendu le bruit qu'il y a? Ouais, bah nous on a flippé toute la journée, hein. Moi je suis là depuis 7h30 du matin. Hein. Jamais un maire à Marseille n'a été accueilli comme elle est accueillie là. Maintenant il va falloir mettre la pression, hein, pour qu'elle calcule. Allez, bisous, à bientôt, Sarah. Eğer PKK'lı verilmeye erişmedi bu. Mer, heza azadi, peruki ne bu? Ne yapayım? Gotinji, cokay ifanete. On a reçu, on reçoit des fruits et des légumes. C'est un camarade gilet jaune et à la fin des olives. Et chaque semaine, il nous donne des palettes de poudrière. Nos colis. On a de la farine, du lait, du riz, des sucres dans le colis, des gâteaux, des conserves, de l'huile, des pâtes et du chocolat. Du chocolat, il y en a plein. Pâques était confiné cette année. Hein. On la distribue au Maroc. On a pris le système McDo, le fonctionnement, comment on fait les hamburgers, on prépare les tomates, les croques et tout ça, et on l'a transformé en colis alimentaire. QSP, QSP, qualité, service, propreté. Ben nous, on l'a transformé en banque alimentaire pour pouvoir et se servir du pain. C'est important. Qualité, solidarité, propreté. L'idée, c'est pas de vous parler de la SIC. La SIC, c'est juste un statut juridique qui
permet d'avoir une structure économique qui soit non lucratif, qui intègre d'abord des salariés, mais pas seulement, pas comme dans une SCOP. Il y a aussi les habitants, les usagers, les clients, et puis aussi, pourquoi pas, les pouvoirs publics s'ils veulent, ou les entreprises, ou ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'intérêt général. Oui, pour te dire. Et l'idée, c'est de te dire, on ne va pas créer une SCOP. Le problème ici, ce n'est pas la SCOP. C'est que ce qui a été démontré ici, pendant le Covid, pendant le confinement, c'est l'entraide. C'est le fait que les gens qui habitaient autour avaient envie de se mobiliser, et tous les collectifs, il y a eu à peu près une cinquantaine de collectifs qui ont participé ici à alimenter les gens de leur propre quartier, mais aussi à venir faire fonctionner une plateforme. Alors qu'on était dans un McDo occupé, on était dans une lutte et un conflit social, on s'est retrouvé sur une plateforme de solidarité. Société coopérative d'intérêt collectif. Dans les collectifs qui ont participé à l'action ici, la plupart ont été recontactés pour savoir comment on pouvait continuer plutôt que de s'arrêter. Parce qu'après le confinement, pendant le confinement, il s'est passé des choses tellement extraordinaires, tellement citoyennes, qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on perde cette énergie-là. Mais je pense que dans les Gilets jaunes, vous avez à peu près ce qui s'est passé. Le problème, c'est comment on garde cette énergie. C'est d'essayer de trouver les moyens de continuer à faire en sorte que, au-delà de l'ambiance, il y ait une conscientisation sur la question de l'entraide, de la mutualisation, de revenir à des choses qui font que le partage est plus important que l'exploitation. La 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 la
la la la la la la la qui nous crache à la gueule, je vous invite à crier votre rage et à vous lever et à vous faire entendre contre toutes ces... La 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 la